Bonjour. 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 Alors c'est Solidaires d'abord et aujourd'hui on va avoir plusieurs sujets comme d'habitude. Alors on va parler des élections hein, parce que ça se précise. Hein. Alors on va pas en parler en avantageant un parti, mais on va parler des élections. On va parler de la Palestine, on va parler de la Nouvelle-Calédonie, de la réforme chômage qui a été vachement efficace. Enfin bon, voilà tout ça, quoi. Hein, parce que cette réforme chômage, c'est une catastrophe. Et puis, on va parler des luttes locales. Et donc, premier sujet, le canard réfractaire a parlé de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Mm-hmm. Vous êtes un peu au courant ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie? Comment on fait pour vivre là-bas? Ce que tu disais tout à l'heure, peut-être, Amélie Oui, ce que je disais, c'est que c'est quand même curieux de la part de l'État français d'avoir besoin des Kanaks. Bon, soyons clairs, on traite bien tout le monde. Mais en plus, l'État français a besoin des Kanaks pour avancer sur ce projet. Et il traite les gens vraiment d'une façon détestable. Donc il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des réactions de la part des habitants de l'île. Kanak, ouais. Voilà. Voilà, ouais. Vivre ensemble. Il y a surtout qu'on a colonisé quand même, hein, on est des colons là-bas dans ce pays, hein, donc, et on garde cette mentalité de colons, de dominateurs, hein, on les prend pour une race inférieure quand même, hein, il y a un manque de respect. Je crois que quand on manque de respect avec qui que ce soit, on ne construit pas la paix, hein, on construit forcément la guerre, ça devient très conflictuel, et c'est ce qui se passe, hein. Personne n'a envie d'être dominé par un autre. Hein. Ouais, tout à fait. Et les gens, là, ils n'ont pas égalité du tout. Hein. Les jeunes Kanaks ne vont pas à l'école normalement, hein, pas du tout, du tout. Ouais. Donc c'est une catastrophe, quoi. Au niveau de l'emploi aussi, je crois. Hein. C'est très difficile. Hein. Et tout ça, sur le fond de ce que tu disais la dernière fois, Alain, c'est-à-dire sur le nickel, hein, entre autres, parce qu'il y a cette richesse du nickel qui va s'avérer très, très importante et stratégique, là, parce que petit à petit, les voitures électriques, etc. Hein. Et donc, Macron, il est complètement là-dedans. C'est-à-dire, renseignez-vous un petit peu, hein, parce que, bon, c'est vrai que moi, ça m'ennuie. J'ai l'impression que au canard réfractaire, ils nous disent des choses qu'on a eu nulle part comme info ailleurs. Donc ils disent, ben voilà, dans la province nord de Nouvelle-Calédonie, c'est eux qui ont accès à toute une partie de l'industrie du nickel. Et donc, en fait, ce que fait Macron, c'est changer le vote pour que la province nord ne vote plus Kanak à 100% ou 80% parce que c'est eux qui sont majoritaires. Et comme ça, après, ils vont reprendre la main sur le nickel. Voilà. Et donc, c'est toujours la même histoire. Pognon, stratégie, et puis les là, gens... Là, tu parles du dégel du corps électoral, du fait qu'il était prévu que certaines personnes puissent voter, d'autres non. Et là, c'était prévu dans un long processus qui est fixé depuis longtemps, voilà. Avec des dates clés, etc. Et là, la règle change en cours de processus. C'est ça, voilà. Donc, et pas sur tous les votes en plus, hein, uniquement sur ce problème d'indépendance. Hein. Voilà. Il y aura un vote stratégique qui va se passer en décembre 2024, hein, pour être clair. Et à ce moment-là, donc la province nord, si elle bascule vraiment caldoche, eh ben, le résultat, c'est que les Français auront la main sur le nickel. En gros, c'est ça. Le fond du problème est là. Et donc, voilà, on n'en parle nulle part. Et d'autre part, il y a quand même quelque chose ici aussi, c'est le FLNKS, les dirigeants du FLNKS, les dirigeants locaux Kanak, petit à petit se sont, entre guillemets, embourgeoisés. Et c'est les jeunes qui sont en train d'essayer de leur dire, mais ça va pas, vous êtes en train de vendre notre pays, quoi.
Donc c'est ce qui fait que on a ce discours très très bizarre où on a l'impression que les autorités kanak sont là en train de la jouer cool, mais en fait la rue kanak est pas du tout en train de la jouer cool. Et oui, il y a une grande complexité Voilà, oui. ouais, dans cette situation et voilà, c'est difficile de s'y retrouver. Puis en plus, il y a l'aspect géopolitique dans cette affaire-là, parce que géographiquement, l'État français a aussi des intérêts à avoir des terres à cet endroit-là. Ouais, tout à fait. Alors là, moi, je parlais élection, donc élection qui va y avoir en Nouvelle-Calédonie, et on va avoir une élection dans une semaine, hein, Même et pas. même pas. Hein, et Amélie, tu voulais nous parler de qu'est-ce que c'est cette élection, qu'est-ce que c'est en fait la Commission, l'Europe, Les qu'est-ce que c'est l'Europe? institutions européennes, mais très rapidement, juste pour resituer un petit peu ce que sont les institutions européennes, parce que c'est des choses dans lesquelles on a l'impression que c'est très loin de nous, que c'est un peu opaque. Bon, juste pour clarifier en quelques mots. Donc, oui, tu voulais. Non, Non, vas-y, vas-y. vas-y. Les institutions européennes, elles fonctionnent un peu comme les institutions nationales, en fait. Il y a l'équivalent du président de la République, c'est le Conseil européen. Et ce Conseil européen, il est formé des présidents, des 27 présidents des 27 pays de l'Union européenne. Et donc, il y a une présidence tournante parmi ces 27 États. Et donc, chacun des présidents a la présidence donc, pendant 6 mois. Voilà. Macron, lui, l'a eu du 1er janvier au 31 mai 2022. Donc ça, c'est l'équivalent du président de la République. Après, il y a l'équivalent du gouvernement. C'est la Commission européenne, dont la présidente en ce moment est Ursula von der Leyen. Donc elle, c'est un peu la première ministre. C'est un peu la première ministre, exactement. Et donc elle termine aussi son mandat en même temps en 2024, en même temps que le mandat du Parlement européen. Donc la Commission européenne, elle est constituée de gens qui sont nommés et leurs postes sont validés par le Parlement européen. Donc eux, ils sont cooptés, ils sont pas élus, eux, hein. Non, ils sont pas élus, ils sont nommés par les différents États. Donc il y a 27 membres et chaque membre est nommé par son gouvernement. C'est là-dessus qu'il y a des gens qui disent que c'est pas démocratique. Eh oui. Et en même temps, quand tu réfléchis bien, c'est vrai que nos gouvernements nationaux fonctionnent comme ça aussi, hein. On n'a jamais voté pour les ministres, hein. Oui. Ce sont des hauts fonctionnaires. Oui, Hein, en sorte, exact. en Oui, quelque sorte. voilà. Donc eux, ils ont un rôle important parce qu'ils ont le monopole de la proposition de loi. C'est pas les parlementaires qui proposent les lois, c'est la Commission européenne. Ils ont le pouvoir exécutif parce qu'ils sont chargés de veiller à ce que les lois soient appliquées. Et leur mission à eux, c'est la défense des intérêts européens. Voilà. Et puis, on a le Parlement. Alors là, enfin la démocratie. Voilà, la Sauf. démocratie, parce que c'est la seule institution dont les membres sont directement élus par les citoyens. Sauf qu'en fait, ils ont très peu de pouvoir. Ouais, mais bon. Dommage. Mais bon, en même temps, ils ont très peu de pouvoir, et en même temps, je voudrais pas décourager les gens d'aller voter. Parce qu'il y a quand même des choses qui se font, des victoires, et on verra tout à l'heure que c'est quand même important Ouais, puis il faut de. les aider quand même, parce qu'ils sont très bien payés, hein. 9 600 euros Et puis par mois. ça a un double sens en plus ces élections, hein. Faut bien comprendre ce que c'est. Si jamais on laisse effectivement, par exemple, le Front National enfin le Front National, pardon, le Rassemblement National avoir une grosse avance dans les suffrages, ça a un impact national, évidemment. Bien sûr. Non, c'est important d'aller voter. Il faut pas lâcher l'affaire, Oui, il même faut si y ça aller, nous oui. semble loin, opaque, etc. Il faut y aller. Voilà. Et puis donc, ça, c'est les trois institutions vraiment fondamentales. Et puis il y a aussi le Conseil de l'Union européenne qui, lui, est constitué de ministres, de 27 ministres. Et il n'y a pas de membres permanents. On convoque les ministres au fil des sujets. Voilà. Si on parle d'agriculture, on convoque les 27 ministres de l'agriculture, etc. Puis après, il y a encore trois autres institutions, mais là, on ne va pas en parler aujourd'hui. Il y a la Cour de justice européenne, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes, mais ça n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui. D'accord. Alors, vas-y. Non, on va espérer qu'ils convoquent pas
les ministres de la Défense prochainement. Aïe, aïe, aïe. Alors, ceci dit, dans ces élections, nous, on a trouvé qu'il y avait quand même plein de choses qui ne marchent pas du tout sur la régularité de ces élections qui sont en cours. C'est-à-dire qu'il y a des listes qui ont été avantagées, il y a des choses qui ont été complètement anormales dans la presse. Hein. Il y a des choses qui ont été complètement anormales. Donc, pour commencer, il faut rappeler que c'est une élection au suffrage universel direct à un tour, et chacun de ces mots a une importance. Suffrage universel direct, c'est-à-dire tous les citoyens votent à un tour, ça veut dire que parmi les 38 listes qui se présentent... 38 listes. 38. J'ai pas encore reçu les comment on appelle ça, les professions de foi, mais l'enveloppe là va être... Ça a dû poser quand même dans nos mairies, ça a dû poser des problèmes sur les panneaux, parce que alors, ça commence à en faire. On va en parler, je vais te dire des choses là, parce que moi, c'est tout frais. Voilà, donc je reviens aux élections. Donc c'est la seule institution pour laquelle les citoyens votent en direct, ouais. Au niveau de l'Europe, voilà. Il y a 720 députés en tout, 81 sièges pour les députés français, et ces 81 sièges seront répartis à la proportionnelle entre toutes les listes qui récoltent au moins 5% des suffrages exprimés. Oui, c'est ce que je... 5% des suffrages exprimés. Oui. Il faut mais là, tu ne penses pas des irrégularités, là. Donc, si, j'y viens. Par exemple, un débat Attal-Bardella... C'est surréaliste. Oui. C'est quand même un petit peu malhonnête, oui, parce c'est... que ça laisse penser que, oh là là, il va falloir... C'est la manipulation, ça, je oui, crois. Oui, c'est une forme de manipulation. Je pense, parce que... C'est occulter la gauche, quand même. Déjà, ça désavantage les autres listes. Oui, bien sûr. Parce qu'elles ont eu l'occasion de s'exprimer. Mais quand même, quand il y a d'abord un débat entre deux têtes de liste comme ça, non... c'était pas des têtes de liste, en plus. En plus, oui, un Premier ministre, une tête de liste. Oui, oui. Non, vraiment, c'est extrêmement malhonnête, hein, vraiment. Pendant toute la semaine, sur BFM, t'avais un bandeau toutes les trois heures, Bardella, la voix royale. Incroyable. Là, on sent vraiment que c'est complètement libre. Il faut dire aussi qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, Macron que le Rassemblement National. Il y a déjà deux vice-présidents à l'Assemblée nationale qui sont du Rassemblement National, il faut quand même le préciser. Et puis, ils bossent ensemble. Si les gens n'ont pas compris que l'attitude de Macron, enfin, la politique de Macron depuis un certain moment est complètement fraternelle avec il est très avec proche, le RN. Il est très proche du RN. Si vous ne l'avez pas compris, votez RN, votez Macron. Il n'y a pas un fossé. Mais en fait, il y a trois façons de voter Macron. Je ne sais pas si tu as vu. Tu peux voter RN, donc tu votes Macron. Tu peux voter Macron, hein, avec Valérie Hayé. Et puis tu peux voter Glucksmann. C'est l'autre Macron. Alors, ouais. Là, le choix est large. Et donc, moi, je pense vraiment qu'il faut aller voter, même si ça nous paraît loin, mais parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la primauté des lois européennes sur les lois nationales. Donc, c'est important d'avoir des députés qui nous représentent et qui pèsent dans le sens des citoyens. On espère. Hein. Parce qu'une fois qu'une loi est votée au niveau de l'Europe, elle nous dégouline dessus et on est obligé de l'appliquer. D'accord. Comme tu dis, ça dégouline. Voilà. les décisions qui sont prises au niveau de l'Europe, c'est des décisions qui nous concernent tous, hein, comme les traités de libre-échange. Je donne quelques exemples comme ça. Le marché de l'électricité, enfin, vous en avez peut-être d'autres. Ouais. Et du coup, à l'inverse, chaque fois qu'on gagne une lutte au niveau européen, ça s'applique dans les 27 pays. Donc, vraiment, par exemple, j'ai en tête la reconnaissance du salariat de l'entreprise Uber. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire. Bon, voilà. Donc, je milite pour que tout le monde aille voter. Et vérifiez si vous êtes bien inscrit sur les listes, parce qu'apparemment, il y a des radiations qui se passent par-ci, par-là. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, voilà, c'est important. Oui, mais t'inquiète pas. En fait, là, par exemple, tu avais une affiche, moi, que je trouve que quand même, elle vaut son pesant de cacahuètes. Je suis gendarme, je vote RN. Pas mal comme truc. Ah bon ? Alors, t'as un général de la gendarmerie qui a dit « Attendez, là, ça va plus du tout, là, ça va plus du tout. » Alors, ils sont allés interpeller Bardella. Et Bardella a répondu « Mais quand même, respectez la démocratie. » Ça, c'est une réponse. Hein. Ouais. Je sais pas si vous voyez où on est, là. On est déjà comme si le RN avait le pouvoir. Parce que quand ils seront au pouvoir, ils feront ça. Hein. C'est sûr. Voilà.
Bon, voilà. Voilà. J'ai fini mon petit... D'accord. Alors, moi, je suis allé faire la virée des Grands-Ducs. Et en fait, avec une autre personne, on est allé afficher à plein d'endroits dans les petites communes perdues. Et donc, on s'est retrouvé effectivement, à constater qu'il y a 38 listes, mais il y a des communes où il y a 8 listes qui sont affichées, des communes où il n'y a rien d'affiché. Rien d'affiché, c'est que c'est complètement antidémocratique, c'est pas normal du tout. Des communes où il y a 11 personnes qui sont affichées, enfin 11 listes, des communes où il y en a 15, et jamais les 38. Enfin, pratiquement jamais les 38. C'est incroyable. À Aubenas, entre autres, il y a des endroits où il y a des panneaux d'affichage, il y a deux endroits où il y a des panneaux d'affichage, bon, des endroits complètement perdus, quoi, où tu penses pas aller voir une liste. Au château, par exemple, tu vois, c'est un endroit perdu. Donc, c'est vrai que là, il y a les panneaux d'affichage, il y a rien d'affiché. C'est normal, quoi, sans doute. Hein. Enfin, bon, voilà, il y a des trucs complètement... ça fait drôle, quoi. Et quand tu vas dans les petits patelins, il y a des endroits où tu as les panneaux d'affichage, et puis tu as des listes qui sont manifestement avantagées sur les autres. Ah bon? Tu as du genre, tu as des panneaux en hauteur avec certains candidats et des panneaux qui sont un peu cachés à l'endroit où tu gardes la voiture, donc on n'y voit rien du tout, voilà, avec d'autres candidats. Suivez mon regard. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est les listes qui sont les listes outrancières, tu sais, il y a une liste qui est outrancière en France. Tu savais pas, toi? Non, je savais pas. Il y a des gens qui sont très à gauche, qui sont outranciers. Ils sont pour la paix en Palestine, par exemple. C'est outrancier comme truc. Quelle horreur. Voilà. Un langage. Enfin, c'est un scandale, quoi. Des gens qui sont pour la paix, tu vois. Mais franchement, on ne sait pas où on est, quoi. On est en France, théoriquement. Et ben voilà, il y a des gens qui en sont là. Et ben ceux-là, on les cache un peu, comme ça, aux élections, tu vois. Voilà. Mais rassure-nous, il y a quand même 38 panneaux de partout, non? Ah, il y a 38 panneaux. Y a de partout pas tout à fait. Pas tout à fait partout. Mais dans des toutes petites communes, c'est vrai qu'on peut se dire que ça doit être un problème pour eux. Ah. Au niveau du budget, attends. Foutre 38 places, parce que théoriquement, tu dois pouvoir mettre des affiches qui sont du A2. Non, ça doit être oui, du A2. Il y a une réglementation, de toute façon. Et donc, il y a des endroits où ils n'ont absolument pas le pognon pour faire ça. Donc, tu as des endroits où tu avais des affiches minimalistes. Et donc, là, tu avais 11 affiches, par exemple, sur les 38, hein, où tu avais du 20 par 40. Tu vois, c'est-à-dire un espèce de A3, c'est même pas un A3. Alors c'est un peu compliqué, quoi. Si je comprends bien, il y en a qui sont à hauteur d'homme, il y en a d'autres où il faut ramper pour voir. Il faut ramper pour voir. Mais tu sais, normalement, c'est pas les mairies qui affichent, c'est une entreprise qui vient afficher. Mais normalement, elles sont diligentées par la mairie. Hein, tu vois. D'accord, mais l'entreprise, normalement, quand elle vient, elle doit afficher. Mais sauf que la mairie donne. Il y a plein d'endroits où c'est pas le cas. La mairie donne les moyens. Elle met les panneaux. Elle met les panneaux. Voilà. Elle doit mettre l'ensemble des panneaux. Mais c'est pas la mairie qui affiche. Ce qui est insensé, c'est que donc s'ils n'ont pas un certain quota d'élus, ils seront pas remboursés, quoi. Donc évidemment, les gens qui ont très peu de moyens, ils peuvent pas afficher parce qu'ils savent qu'ils seront pas remboursés. Enfin bon, la totale, quoi. C'est voilà. Alors bon, on va peut-être pas y rester plus longtemps que ça sur ce sujet, mais c'est vrai que il y a un sujet, je trouve, qui est pendant à ça. Je me suis permis d'un petit peu aller là-dessus, c'est-à-dire cette liste qui est pour la paix. Bon, je ne sais pas si vous avez trouvé laquelle c'est, mais enfin, il y a une liste qui est pour la paix. Je ne dis pas que c'est les seuls qui ont raison, hein, mais enfin, il y a une liste qui est pour la paix qui est mise sur le banc depuis un certain moment. D'ailleurs, une certaine fille qui s'appelle Rima Hassan a été complètement visée par une intoxication absolument. C'est complètement fou la façon dont elle a été attaquée de toutes parts jusqu'à ce qu'on la menace de viol. Hein. Ça va jusque-là, quoi. On est, voilà, c'est invraisemblable. Alors aujourd'hui, Jean-Claude, tu venais nous parler de la fête en Palestine. Oui, alors c'est un peu bizarre de parler de fête, mais en fait c'est une journée où on se propose de réfléchir et puis de quand même écouter de la musique en solidarité avec le peuple palestinien, des artistes qui sont solidaires, qui donnent leur cachet pour que ça puisse servir à la solidarité avec le peuple palestinien qui est victime d'un génocide en ce moment qui commence à Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée. Donc cette journée, ça sera le samedi 22 juin,
À 16h, nous aurons un débat, conférence-débat, sur la notion de BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Oui. Voilà. Ensuite, on aura une soirée, il y aura une petite restauration, etc. Et il y aura aussi une soirée musique avec trois groupes qui nous permettront donc de sensibiliser peut-être un public plus jeune que ce qu'on a habituellement, et puis qui permettra aussi de et qui permettra aussi donc de financer, de récolter des sous pour la solidarité avec le peuple palestinien. Voilà. Il y aura donc en fait une personne qui va venir nous expliquer ce que c'est BDS en fait. Oui, donc il existe un mouvement qui s'appelle BDS France. C'est une organisation qui milite pour le boycott, le désinvestissement et la sanction. Et qui c'est un mouvement qui s'est constitué, comme dans beaucoup de pays du monde, à l'appel d'un mouvement palestinien soutenu par des mouvements aussi israéliens, et qui permettent qui proposent de boycotter Israël, de boycotter, de ne pas avoir affaire avec un État voyou, un État criminel, et donc de le sanctionner aussi éventuellement, quoi. Alors en détail, boycott, c'est-à-dire on fait des campagnes pour demander aux gens de ne pas acheter les produits israéliens, que ce soit les produits alimentaires, que ce soit les produits d'hygiène. Enfin, il y a des tonnes de produits qui circulent grâce à des accords avec l'Europe chez nous. Et donc, on demande ça. Voilà, il y a des campagnes qui sont faites. En ce moment, par exemple, on sait que Carrefour à des magasins dans les colonies. On sait que Carrefour, il y a des photos qui circulent en ce moment, alimentent l'armée gratuitement à l'armée israélienne. Il y a des colis qui sont livrés à l'armée israélienne à Gaza alors qu'ils sont en train de détruire, de perpétrer un génocide. Mais théoriquement, c'est pas eux qui devraient avoir des colis, non? Comme tu dis, oui, oui. Et on empêche les camions d'aide alimentaire et d'aide humanitaire de rentrer dans Gaza pour les Palestiniens. Par contre, il y a des beaux colis avec des sacs signés Carrefour qui arrivent pour les soldats israéliens en campagne. Donc on demande aux gens de s'insurger contre ça, donc de boycotter, de ne plus aller chez Carrefour, de dénoncer Carrefour, d'écrire à la direction de Carrefour pour dire c'est intolérable que votre structure finance et participe à cet effort de guerre génocidaire à Gaza. Je voudrais juste dire que tous ceux qui aident un gouvernement qui est en train de commettre un génocide sont considérés comme complices. Bien sûr, ce sont des complices. Ça veut dire que si la Cour pénale internationale va plus loin, ou la Cour internationale de justice, peut-être que Carrefour sera inquiété à ce moment-là. Mmh. Alors Carrefour n'est qu'un exemple, il y a beaucoup d'autres entreprises qui participent ou qui investissent. Le mot désinvestissement dans BDS, désinvestissement, c'est on demande aux entreprises qui investissent en Israël, que ce soit des banques ou même des entreprises ou même des universités qui collaborent à des programmes communs avec les universités israéliennes, de se désinvestir de cette position de façon à ne pas être complice effectivement d'une action criminelle, quoi. Et puis sanction, le S de BDS, sanction, c'est on demande que, à l'exemple d'autres pays qui se conduisent comme des États criminels ou des États agressifs ou colonialistes, on demande qu'ils soient sanctionnés par les autres pays. On a vu en Ukraine récemment, la Russie est victime de sanctions de la part de l'ensemble des pays du monde, quoi. Donc voilà, on demande ça, le BDS c'est ça. Et donc on a une intervenante, Monira Moon, qui est membre du BDS France, qui viendra parler de ça en détail et qui animera ensuite un débat. On animera ensuite un débat par rapport à comment on peut avancer là-dessus. Elle est en train de se constituer en Ardèche méridionale un groupe de réflexion et d'action, parce qu'il ne faut pas se contenter de réfléchir, bien sûr, un groupe de réflexion et d'action pour mener des campagnes assez visibles, plus visibles que c'est jusqu'à présent, à propos du BDS, donc boycott, désinvestissement, sanctions. Une toute petite blague qui se fait beaucoup en Palestine en ce moment. Est-ce que vous savez quand Netanyahou ment? Vous donnez votre langue au chat? Oui. Ah oui, oui. Mais en fait, c'est quand ses lèvres bougent. Voilà.
Donc, voilà, c'est terrible. Alors, on pourrait aller aussi sur le fait qu'on est en train de nous dire qu'en Ukraine, il faudrait quand même que l'Ukraine puisse se défendre par rapport aux Russes et puisse envoyer des bombes sur les attaquants russes. Mais on nous parle absolument pas de comment les Palestiniens pourraient se défendre avec un État qui est en train de les écraser. Hein. Ah oui, on nous dit toujours, et Macron le répète, et Biden le répète, Israël a le droit de se défendre, mais on n'entend jamais la même chose pour les Palestiniens. Est-ce qu'ils ont le droit de se défendre, eux, ou pas? Alors que ça fait 75 ans qu'ils sont agressés, qu'ils sont victimes d'une guerre coloniale, et voilà, on ne sait pas s'ils ont le droit de se défendre ou pas. Alors, donc il y a deux poids, deux mesures, comme d'habitude. Il faut qu'on finisse vite. Donc, le 22 juin, à partir de 16h, au Roca, quoi? Qui se trouve chemin de Roca derrière le grand gymnase là-bas au fond. Ouais. Lycée Astier, tout ça là. Mmh. Hein, voilà, on a cette fête pour la Palestine. Mais le 8 juin, c'est-à-dire la semaine qui vient, au Roca quoi, à partir de 18h, on a une grande fête aussi sur le Social Castagne, c'est-à-dire tous les travailleurs sociaux de la région qui se trouvent très souvent en difficulté depuis qu'on a le gouvernement Amran de la région, c'est-à-dire qu'ils se trouvent avec beaucoup, beaucoup moins de sous, beaucoup moins de possibilités d'agir pour tous ces jeunes qui peuvent être en difficulté sur notre territoire. Voilà, bon courage, à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.